Youssef Salem, tu es officiellement sur la shortlist du concours. Faut que je le dise à mes parents. Comment t'as pu écrire un torchon pareil? Maman n'a jamais couché avec le maître nageur. Je sais bien. T'imagines si papa il tombe dessus? Ouais. T'imagines le début? Tu mériterais qu'on mette un contrat sur ta tête. Ouais. Putain. Ouais. Qu'on t'élimine. C'est moi, l'auteur, Youssef Salem. Je l'ai pas lu encore, enfin je vais le lire, hein, mais oui. Il paraît que c'est super. En tout cas, ça se vend très très bien. Eh ben justement, il faudrait arrêter de le vendre, s'il vous plaît. Moi, j'aime pas du tout votre petit mépris d'auteur. C'est une question de vie ou de mort. Dans cette famille, tout le monde a honte d'être arabe, voilà. Zama, t'es écrivain, tu connais rien. Zama, je suis un Moleskine, je suis là avec mon critérium, elle est géniale. Un critérium Clochard, là. C'est quoi l'exemple que vous voulez donner? J'essaye juste dans ce livre de raconter l'histoire d'une famille en restant le plus lucide possible. Et il se trouve que cette famille, elle a des défauts. C'est moi qui l'ai déniché. Oui, mais ce génie. Allez, c'est le dernier. Tu trouves pas que la vie, c'est tout petit peu plus grand que ça? Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis grand-mère? Non, non, maman. Ah, c'est vous qui avez écrit ce bouquet magnifique là? Oui. Je suis reconnue, je sais pas, cette famille. Vous êtes une arabe? Ça vaut pas, non, ah ouais, je suis pas arabe. Non, 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 moi je suis marseillaise.